actually sacred to the Mi'kmaq, but not just the Mi'kmaq, all Native Americans within North America. Le pigargue ou l'aigle n'est pas seulement un oiseau sacré pour les Premières Nations Mi'kmaq, mais pour presque toutes les Premières Nations nord-américaines. And the Mi'kmaq believe that it's actually a very great honor to find an eagle feather. C'est tout un honneur pour une personne de trouver, pour les Mi'kmaq, de trouver une plume d'aigle, évidemment. And that we actually offer tobacco or traditional Mi'kmaq medicines as a thank you. The orca, Mi'kmaq buduk. On a ici l'orque, l'épaulard, qu'on appelle en Mi'kmaq buduk. Buduk. Comment? Buduk. Buduk. Also known as the killer whale, because he has been known to kill northern right whales. Buduk. l'orque. Predator to seals. Grand prédateur de phoques. And also a great predator to, what are those called, the sharks? Sharks. No, the white ones. Great white sharks. Great white sharks, yeah, sorry. Okay, ça peut être aussi. Shows up in the sharks fishing grounds, the sharks will actually disappear for months. Let's see, an orque, ça pointe. The woodland turtle or Mi'kchi. On a ici la tortue des. Now, the Mi'kmaq believe that the turtle held the 13 moons and the 13 seasons on his back. Les Mi'kmaq croient que les were very short and consisted of the peeping frog season, berry season, potato season, multiple. Fait qu'il y avait patience. Pour conclure notre histoire originale de la patience. As Marilyn traveled through her life cycles from a young girl to an elder, Marilyn sent her to the Yukon for training. Et par Canada l'envoyait à des fins d'entraînement au Yukon. And there she heard the conclusion of the Great Smoke. Et c'est là qu'elle a entendu la conclusion de cette histoire-là. And another Native American from the area had told her that there was a great smoke that killed a lot of plants and animals. Lorsqu'elle fut au Yukon, elle a rencontré un autre aîné des Premières Nations du Yukon qui lui a indiqué, qui lui a parlé de cette grande fumée. And to prevent encroachment from other nations or other Native Americans. Afin d'éviter le loup cervi. Lynx. So also a very skilled hunter in the winter due to his large paws. Un chasseur très spécialisé en hiver dû à ses pattes immenses. He was very skilled at hunting the snowshoe hare. Spécial. Very small specimen. Oui, celui-là c'est un très petit spécimen de lynx roux. They are actually a little smaller than the Canadian. Normalement le lynx roux. Whoa. Oh. Donc on a ici le loup des bois. So this is a full-grown specimen. Ça c'est un spécimen évidemment pleine grandeur. Yeah. And they are no longer in the province. Une autre espèce qui est extirpée du Nouveau-Brunswick. And this is due to overhunting. Due à la surchasse. It's the coyote. Un nouveau venu dans notre province, c'est le coyote. Now this guy actually originates from the Midwest. Fait que la souche originale du coyote, ça nous vient du Midwest américain. And has migrated his way up north. Fait que c'est une migration qui a débuté dans les années 1850 et qui se poursuit toujours. So he's actually made his way to Prince Edward Island over the ice. 1983. And then from there, he's actually made it to Newfoundland. 87. In 87. Le coyote de sa migration. The difference between. Et quelles sont les différences? They're all red foxes. Yes. So here is the red fox. Here is the cross fox. C'est un renard roux qu'on dirait, on l'appellerait le renard croisé parce qu'il y a une croix sur les épaules. Yes, and this is due to the cross on his back. Ça vient de là. And this is the silver fox. Renard argenté. Now, if I were to have a red fox farm and there were 300 couples. Si j'avais une ferme de renards et que j'avais 300 couples de renards roux. And every couple had 3 to 4 pups. Si chaque père avait 3 à 4 renards d'eau. Out of all those pups, 3 would be the cross fox color. Donc si j'avais 1000 renards d'eau, plus ou moins un chiffre aléatoire, il est possible qu'il y en aurait comme 995 normal, rouge comme ça, 2 ou 3 qui soient croisés comme ça, et 2 ou 3 qui seraient argentés. Yes. And out of those 3, either 1 or 2 would be the silver fox color. So these are actually very rare recessive genes. Ça c'est relié. Native to New Brunswick. Ceci, ce n'est, on n'a pas ça au Nouveau-Brunswick là. He's just another part of the fox family. Dans la famille du renard. And this is the Arctic fox. Le renard arctique, Isatis. Oh.
Now this little guy has been in the news lately. On a spécimen de renard arctique qui a été aux nouvelles récemment. There was a juvenile Arctic fox that traveled from Norway to Arctic Canada. It's Svalbard Island. Hein? Fait que récemment. Wolverine, c'est carcajou, mais en français on peut aussi l'appeler glouton. Another word to call it in English is the skunk bear due to the two stripes along its back and that it resembles the mixture between a skunk and a bear. Un nom populaire en anglais, on va l'appeler skunk bear, donc l'ours. Full-size caribou outside its den. Comment? A full-size caribou outside its den, or well, a moose. Could kill a caribou. Yes, it could easily kill a huge caribou. It will go for it. It won't go in. Ça peut tuer un caribou. Yeah. For people up in Nunavut to be able to catch a wolverine. Les has no pulse. Okay, sur le Pocopic, il y a deux endroits qui n'ont pas d'aiguillon. The nose and the belly. Le nez et la cavité abdominale. So how the fisher hunts the porcupine is that he goes around the porcupine and kind of confuses it. Le piquant est très rapide, il va contourner de façon très rapide le Pocopic. And once he gets a chance, he grabs the nose and flips it. Et quand il aura la chance, il va l'attraper par le nez puis le virer sur le dos. And then he'll attack the stomach. Il va l'attaquer la partie en dessous, évidemment. Yeah. C'est only males do that. Only the males do that. No, I know, because when I was trapping, a primer. C'est une marque d'Amérique. And the way you can tell it's a primer is due to its distinct orange neck. Ouais, la plupart des marques, pas tous, mais la plupart des marques vont avoir une plaque orange sur la gauche. It's the only weasel in the weasel family that has an orange neck. C'est le seul dans la famille. The river otter. So we actually have these guys in the park. On en a dans le parc évidemment, le long des cours d'eau. And they are also very playful. A big chilu. En Mi'kmaq, on l'appelle? A big chilu. A big chilu. A big chilu. Now, big D also means bark, which is part of a big chilu. And we just wanted to show you that their stripes are different shapes. C'est juste ces deux moufettes là, c'est juste pour vous montrer. Black bear, we use deadfall tree traps. Fait que, oui, on a le pouvoir aussi des fois le tuer durant la période d'hibernation ou juste avant. And we try to get them before or at the beginning as to avoid getting cubs. Mm-hmm. When I was younger, his name was Rocky. Son oncle, ses oncles avaient un raton laveur quand elle était jeune, puis il l'avait appelé le raccoon, il l'avait appelé Rocky. But he was a lover, not a fighter. Beavers. So before European contact, beavers grew very large. Avant l'arrivée des premiers contacts européens, les castors étaient très gros. And they could get up to 3XL. Ils pouvaient devenir aussi gros que triple X. Also called blankets. Qu'on appelle des couvertes. And beaver pelts were very valued during European trade, for the Europeans used them for their hats. La peau de castor, ça a même été pratiquement l'unité monétaire du pays pour quelques années. Très utilisée par les Européens à des fins de confection de chapeaux, entre autres. So we only have three sizes here today. On a juste trois différentes grosseurs ici aujourd'hui. Small, pup. Ouais, petit. Medium and large. Medium et large. Okay.